frères et sœurs, nous restons debout, nous lirons chapitre 6 de Matthieu, verset 24, un passage qui est assez bien connu. Matthieu, je dis, chapitre 6, verset 24. D'autres passages pourront être ajoutés au fur et à mesure que nous avançons. Matthieu 6, 24. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut exulter de joie et dire que l'Éternel est présent? Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur soit loué pour ce temps et la grâce qu'il nous fait de nous retrouver en ce jour. Alléluia. La lecture de ce passage nous permet de retenir comme sujet combattre les œuvres de Mammon. Nous savons que la lecture, le même passage lu dans 8 secondes fait ressortir les mots mammon à la place de l'argent. Ainsi, la lecture aurait dû être faite pour la dernière partie de cette façon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Et nous parlons de la nécessité de combattre les œuvres de mammon. Combattre les œuvres de mammon. Nous lisons dans Galates au chapitre 5 une litanie qui nous est présentée, une liste de fruits de l'esprit à côté des fruits de la chair ou des œuvres de la chair. En fait, les œuvres de la chair sont le fruit des démons, les fruits, les dons sataniques. C'est ça la réalité des œuvres de la chair. Là où on parle des dons de l'esprit, où on parle des fruits de l'esprit, il y a aussi des fruits de la chair qui sont en fait le fruit des démoniaques ou des fruits sataniques, des dons sataniques. Et c'est commun à tous les démons qui ne travaillent jamais pour le bien, mais pour le mal. Donc s'il existe des dons qui sont communs à tous les démons, il y a au moins des particularités aussi pour chaque démon. Pour ce qui concerne Mammon, qui est aussi un esprit mauvais, démoniaque, sa spécialité, c'est s'occuper de l'argent. Vous êtes là? C'est s'occuper de l'argent, des finances des gens. Pas dans le sens de les rendre heureux, mais plutôt pour les rendre malheureux. Mammon n'aide pas les gens à avancer dans la vie. Bien au contraire, il les bloque. Mais il donne l'impression que tout va bien. Il fait croire aux gens qu'ils vont bien, que tout va bien dans leur vie. En fait, Mammon signifie, dans une langue babylonienne, ça signifie simplement l'argent ou encore la richesse. Mais ça peut aussi donner le sens du mot confiance. Quand j'ai l'argent, j'ai confiance. Quand j'ai la richesse, j'ai confiance en moi. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de la vie présente et je suis sûr de mes lendemains. C'est ça le sens de ce mot mammon.
amener les gens à faire confiance à eux-mêmes simplement parce qu'ils ont l'argent. À faire confiance à eux-mêmes simplement parce qu'ils ont un bon travail. Simplement parce qu'il a des richesses. Et il se confie en ses richesses. Et cela est une vraie façon de s'opposer à la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas mettre notre confiance dans les moyens que nous avons en main, mais toute notre confiance, nous devons la placer à qui? À Dieu. Alléluia. Que celui qui est riche ne compte pas sur sa richesse, mais qu'il place sa confiance à qui? À Dieu. Que celui qui est sécurisé ne compte pas sur sa sécurité, mais qu'il place sa confiance à qui? À Dieu. Même si tu es médecin, tu as toute la connaissance du monde, tu es pharmacien, tu as tous les produits pharmaceutiques du monde, tu dois mettre ta confiance à qui? En Dieu. Voulez-vous dire Amen? Mais le diable veut nous amener de l'autre côté. Maman, en fait, ce démon agit, comme je l'ai dit, pour détruire les gens, les finances des gens, leur vie matérielle. Et parmi les dons qu'il donne, c'est communiquer la soif de posséder beaucoup de biens matériels, beaucoup d'argent. Il communique cela. Il donne l'amour exagéré de l'argent. Et on arrive au point de dire, moi j'adore l'argent. Ils sont nombreux ceux qui, librement, consentent à l'idée d'adorer l'argent. Et ils se disent, moi j'adore l'argent, j'aime l'argent. Mais Christ veut que tu comprennes que tu ne dois pas adorer l'argent. Tu n'as que Jésus-Christ comme seul adorateur. Tu n'as que Jésus-Christ comme seul maître que tu dois servir. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour cette raison que Christ, enseignant à ses apôtres, leur dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alléluia. Autrement dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et en même temps adorer quoi? L'argent. L'argent a son importance, certes. Dans un autre passage, Christ dit qu'il est un bon, comment? L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand l'argent devient mauvais maître, c'est là le domaine de maman. C'est du côté où l'argent devient mauvais maître. Mais l'argent est bon quand il nous sert dans la vie. Un problème de santé, l'argent va t'aider. Avoir un médecin, acheter des produits, ça va t'aider. Tu aimerais te déplacer, l'argent va t'aider à payer les billets. Tu as un problème de nourriture, l'argent va t'aider à le résoudre. C'est un bon serviteur. Il est important. Nous allons bientôt organiser des actions de grâce. Nous allons amener des fonds, l'argent, pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'argent est utile lorsque nous l'utilisons pour la gloire et la gloire de qui? Vous êtes là? Et tu viens, Amen. Quand l'argent est utilisé à bon escient pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire que Dieu reconnaît qu'il a sa part dans ton argent, dans mon argent, alors l'argent est utile. Quand il sert pour la gloire de Dieu, quand il nous aide dans la vie, sans que nous soyons placés sous son pouvoir, sous sa domination, c'est-à-dire sans que nous devenions esclaves de l'argent. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que maman fait encore comme don? Il communique aussi l'égoïsme, ce désir de vouloir réussir ou de posséder des richesses seules, que moi seul je puisse avoir l'argent, que moi seul je puisse être reconnu, que moi seul je devienne populaire, que moi seul je puisse dominer les autres. L'égoïsme, vouloir tout posséder seul. Mais il communique aussi comme don la capacité de trouver l'argent par des voies et des moyens malhonnêtes.
maman, on ne gagne pas l'argent honnêtement. On est prêt à tuer. On est prêt à faire du mal aux autres. On est prêt à escroquer, à verser le sang, à s'engager dans des coups bas, voire verser et voler, détourner. Tout cela parce que on a une soif exagérée de posséder l'argent. On n'est jamais libre. On veut l'argent pour l'argent. L'argent à tout prix. Ça ne vient pas de Dieu cette façon-là. Alléluia. Au fait, maman, ne fait pas gagner aux gens l'argent honnêtement, mais ils lisent de tous les moyens malhonnêtes, comme je l'ai dit, pour faire gagner aux gens l'argent qui va leur donner une certaine satisfaction, au point qu'ils pensent que tout va bien parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais en réalité, il est là pour ruiner la vie, pour détruire. Maman n'aide pas en réalité les gens à devenir riches, mais il les rend esclaves de l'argent. Il y a des gens qui sont des millionnaires, des milliardaires, mais ils sont à mesure de pouvoir donner la mort à quelqu'un ou de commanditer la mort de quelqu'un qui a sa dette de 1000 dollars. Il a des milliards dans son compte, mais à cause de 1000 dollars, il peut donner la mort à quelqu'un. Pourquoi? Parce que maman t'a possédé. Maman t'a rendu esclave de l'argent. Et tu aimerais en gagner à tout prix et au mépris de tout. C'est pour cela que je dis, il n'aide pas les gens à devenir riches, mais plutôt à devenir esclaves. En réalité, les gens avec maman pensent qu'ils sont riches, mais la Bible dit qu'en réalité, ils sont comment? Malheureux, aveugles, pauvres et nus. C'est ce que dit la Bible. Tous ceux qui se confient dans les richesses, tous ceux qui ne veulent pas servir, utiliser l'argent pour la gloire de Dieu, pensent qu'ils sont heureux. Ils pensent qu'ils ont tout gagné. Ils sont sécurisés. Mais aux yeux de Dieu, l'Éternel les voit comme étant malheureux, comme étant aveugles, comme étant nus. Alléluia. Ils n'ont aucun avenir. Et ces gens qui se confient dans les richesses n'ont pas de salut en eux. Ils ne connaissent pas la voie du salut. L'insatisfaction financière, voire l'impossibilité de satisfaire ses besoins, c'est toujours causé par ces démons. Même si apparemment on a l'argent, apparemment on a des comptes bien fournis, mais en réalité, on se conduit comme si on n'en avait pas. On a la capacité de résoudre un problème, mais on agit et on se comporte comme si on était les derniers de tous les malheureux. Ce n'est pas normal. Il peut y avoir même quelqu'un qui a la possibilité de se nourrir comme il faut, mais il mange comme vraiment quelqu'un qui n'a rien, comme c'est un pauvre. Il a la possibilité de se vêtir comme il faut, mais il se vêtit comme un pauvre. On m'a parlé d'une certaine tribu en RDC, des gens qui aiment toujours voiler les richesses, cacher les choses. La réalité de ce qu'ils sont. J'ai rencontré l'un des membres de cette tribu. Une fois, j'avais un petit problème d'un militaire, un policier qui voulait, un type qui voulait confisquer mon téléphone en 2001. Donc, je me préparais pour me marier. Alors, cet homme-là avait aussi un problème à la police. On s'est vu. J'ai regardé l'homme. Il me paraissait malheureux. Vous voyez ce genre de gens qui, il a porté la chemise, il a introduit avec une ceinture,
une ceinture vieille. Et ils ont dit, mais la côté moussoussou, découpé en certains morceaux. Il était membre de cette tribu. Mais quand il s'est mis à nous parler de ce qu'il a comme bien, il a une usine. Il a des parts en Arabie Saoudite. Dans des histoires de pétrole. À ce moment-là, on ne connaissait pas le coltan, mais lui connaissait et faisait le coltan. Mais Bilamba l'a dit. Oh Dieu. C'est vraiment la nuit et le jour. Vous ne voyez pas le rapport entre ce qu'il vous dit et ce qu'il est. Maman sait dénigrer, disons, c'est rabattre les gens, les réduire jusqu'à leur plus simple expression. Il va vous dévaloriser alors que vous méritez d'être un homme d'honneur ou une femme d'honneur. Alléluia. Vous êtes là. On a vu des gens comme ça. On en verra encore. On a l'argent. On est béni. Mais on se comporte comme si on n'en avait pas. On est béni. Mais on n'est pas prêt à soutenir ceux qui sont dans les besoins ou à soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous continuons. À part ces dons, c'est presque la même chose, mais j'ai distingué les dons et les œuvres de maman. Nous parlons maintenant des œuvres de maman. Ça semble se rapprocher, parler des dons de maman ou des œuvres de maman. Si maman est dans une famille, en réalité, la paix sera absente. Parce que chacun va vivre, non pas pour le bien de la famille, mais pour rechercher son intérêt personnel du point de vue financier, du point de vue matériel. Tu peux voir un homme qui a des possibilités, mais qui laisse ses enfants trimer et rester à la maison parce qu'ils ont été chassés à l'école. Alors que l'homme a la possibilité de payer les frais des enfants. Libérez-vous des mamans. Tu vas voir une femme à qui on donne l'argent pour bien gérer la maison, pour acheter la nourriture et bien nous nourrir la famille. Prendre une bonne partie de l'argent et mettre dans sa poche pour utiliser qu'une petite partie. Et les gens ne peuvent pas bien manger. Les enfants souffrent à la maison. Pourquoi? Parce que maman est sous la coupe de maman. Il ne peut pas servir. Il ne peut pas donner le meilleur de soi-même. Dès que l'argent tombe dans ses mains, oh, il pense toujours à prendre une partie et garder pour soi. Il suffit seulement que l'argent tombe dans ses mains. Même si on lui a dit, prends cet argent, partage pour le groupe. Lui aimerait chercher des voies et moyens pour pouvoir tromper les autres, pour détourner quelque chose. Possédé par maman. Il suffit qu'il soit nommé responsable quelque part. Il s'est dit, voilà, l'occasion de m'enrichir m'est accordée. L'occasion de devenir riche est là. Et il va vouloir devenir riche au détriment des autres. Il voudra s'enrichir à tout point de vue. À tout prix, je veux dire. Il peut s'accorder des avantages même qui ne sont pas. Ne sont pas acceptables. En principe, une bonne gestion dans un service ou une société donnée fait que, même si on a des avantages, mais que par semaine, les responsables ne puissent avoir qu'une seule prime. Mais quand vous avez plus d'une prime par semaine, ça, ce n'est pas une bonne gestion. On est combien de locaux sous? On est combien de locaux sous? À la limite, si vraiment pour les cas des institutions ou des régimes financiers, on peut arriver peut-être à deux, mais quand on a une prime chaque jour on a des primes, cela est preuve de mauvaise gestion. Dans plusieurs cieux, on
te considère comme un mauvais gestionnaire. Simplement. Et maman aide les gens dans ce domaine-là. Quand maman est dans une société, on va mal la gérer. Et c'est là, en faisant même du mal, en faisant en sorte que même ceux qui travaillent puissent parfois perdre leur travail, tout cela pour satisfaire ses besoins. Les membres de la famille où maman est présent peuvent se rendre compte que, peuvent se dire, mais papa n'a pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. Il y en a même qui peuvent se mettre à jeûner, à prier pour que Dieu donne l'argent, alors que Dieu avait déjà donné l'argent. Mais comme maman a possédé papa, il n'y a pas moyen que la famille puisse bénéficier de toutes ces grâces et bénédictions que papa a reçues de la part de Dieu. On m'a parlé une fois, il n'y a pas longtemps, d'un homme qui est mort. À sa mort, tout le monde était surpris de se rendre compte que cet homme-là avait un salaire dépassant de 12 000 dollars par mois. 12 000 dollars par mois, mais il avait une maison qui était même prête à tomber. Une maison délabrée. Des conditions de vie que même les agents qu'il dirigeait dans sa société n'avaient pas. Mais lui, son salaire net, sans avantage, c'est plus de 12 000 dollars. Et les enfants ont dit, mais ce n'est pas possible. C'est scandaleux ça. Comment nous avons dû vivre comme des petits pauvres à côté d'un père qui en réalité était riche? Comment cela? Maman détruit les familles. C'est pour cela que tu dois travailler pour que tu ne sois pas sous la coupe de maman. Et tu diras, amen. Il faut prier, chercher Dieu et lui demander d'intervenir dans votre vie. Une fois, la femme d'un pasteur aux États-Unis était morte. Une femme de pasteur. À sa mort, comme c'est d'habitude, bon, on a fait sortir des histoires. L'homme a pris tout ce qui appartenait à sa femme. Elle a dit, bon, si les membres de la famille veulent qu'ils viennent prendre. Comme les membres de la famille savaient que leur sœur était bien nantie, elle avait des possibilités, ils sont venus. Et on a sorti des histoires. Ce qui a scandalisé les gens, c'est quoi? C'est qu'on a trouvé dans les biens de la femme plus de 300 paires de souliers d'âme. Non, pardon, pas 300, 3000. 3000 paires de souliers d'âme que cette femme, de cette femme-là, femme d'un pasteur. Alors, Atma Kamoué dit, mais c'est pas possible. Donc, ça signifie que, une année à Lati, ce qu'à Lati Angolélo, pour qu'à Lati Angolisusu, il faut attendre au moins combien d'années? Combien d'années? Plus de 5 ans, hein? Pas de mathématiques. 3000 divisé par, vous voyez un peu, 365. Pour qu'ils puissent porter la même paire de souliers. Moi, c'est un pasteur. Et les gens ont compris, hein, c'est vrai. Pourquoi papa pasteur, les pasteurs insistaient souvent sur l'argent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de gestion financière à l'église. Bon, mais ça ne va plus. Kosomba, ilamba ya, ya moisi, alada. Quand on est dominé par maman, on peut se conduire comme si on est parfois dans la foi, hein? Mais au-dedans de toi, batazo mon osa na yo bien. Mais ça m'a yébi, que tu es dominé par maman. À l'extérieur, on verra que tu es bien. Tu as l'apparence de la piété. Mais ça m'a yébi, que tu as les œuvres de maman sont en toi. Délivre-toi, libère-toi de maman, mon frère, ma soeur. Pour que le Seigneur se glorifie en toi. Alléluia. Il possède les gens, maman, pour les rendre même impudiques. Nous avons appris, et vous savez, je pense même ici,
dans cette ville. Que plusieurs femmes des hommes riches, tout en ayant aussi la richesse elles-mêmes, se sont prostituées. Là, vous le savez, non? Vous voyez bien côté? Elle a l'argent, son mari a l'argent. Mais tout ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est d'aller se prostituer. Se prostituer pour avoir quoi? L'argent. C'est ce que fait maman. Rendre les gens impudiques à cause de l'insatisfaction financière. Tu es capable de vendre ton corps, de te suyer avec les hommes et les femmes de ce monde. Tu te suis dans le seul but de gagner l'argent, beaucoup d'argent par les moyens de la prostitution. Maman empêche les gens de donner la dîme comme il faut, de donner à Dieu les offrandes comme il faut, de donner à Dieu les actions de grâce comme il faut. Il va te dire, et ça fait ça qui année passée, année où il y a eu Pemanayo. Il va te dire, tu as beaucoup donné l'année passée. Tu n'es pas obligé de toujours donner plus. Tu n'es pas toujours obligé de donner plus que les autres, plus que ce que tu as donné l'année passée. Il va te conduire dans ce genre de réflexion. Tout cela pour que tu ne puisses pas donner à Dieu. Mais posez-vous la question. Quand maman possède une personne qui est occultiste, comment se comporte l'occultiste? Il prend son argent, il en fait l'argent de maman. Il prend son argent, il donne à Satan. Il peut même donner la moitié de tout ce qu'il a comme bien. Il met ça au service de Satan. C'est comme cela que les occultistes se comportent. Moi, je pense que nous, qui avons reçu la parole, qui avons la vie divine, nous devons faire en sorte que notre Dieu soit glorifié par tout ce que nous avons et dans la façon de gérer le peu que nous avons. Alléluia. Maman oriente les gens dans leur façon de donner. Je veux dire, il les oriente pour les amener dans le mauvais côté, où il les désoriente pour qu'ils ne puissent pas bien donner les dîmes et les offrandes en Dieu. Tous ceux qui sont païens, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont dans des cimetières pour pouvoir invoquer les démons, au fait, c'est maman qu'ils invoquent sans le savoir. Ces démons de l'argent. Au sujet duquel Christ a dit, vous ne pouvez pas les servir parce que vous êtes appelés à servir et adorer Dieu et Dieu seul. Quand donc les païens vont auprès dans des cimetières pour chercher l'argent, les gens du monde vont auprès des féticheurs pour chercher l'argent, pour chercher des promotions, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, on leur demande 100 francs, 500 francs. On ne demande pas beaucoup. Il va te dire, amène-moi simplement 100 dollars et toi, tu auras 1 million. Mais voyez un peu la proportion, 100 dollars et 1 million. Il va te dire, amène-moi 10 dollars, toi, tu pourras en avoir 1000. Voyez la proportion. Mais il ne te demande rien. Et les gens pensent que c'est une bonne chose. Ils vont dire, bon, voilà, ça ne me coûte rien, je vais donner. Je vais donner 10 000 francs. Je vais donner simplement 10 dollars qu'il me demande. Ce n'est rien, mais moi, j'en aurai 1000. Ce n'est rien. La vérité, c'est que quand tu as donné 100 à maman, lui sait qu'il devient maître des 10 000 qui sont dans ton compte. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? Il devient maître de tout ce que tu as, tout ce qu'il va te donner et ce que tu as. Que tu as reçu sans lui. Tu as déjà travaillé, tu as gagné l'argent honnêtement, tu t'es enrichi, tu as un compte à banque bien fourni. Mais quand tu vas chez maman, il va te dire donne-moi 100 francs. Tu lui donnes 100 francs et en retour, il te dit je te donnerai 1000 francs. Mais en réalité, il va devenir un maître des 1000 francs qu'il te donne, un maître des 10 000
que tu avais gagné sans lui. Pourquoi? Lorsque nous lisons la Bible, arrivons-nous à découvrir que les seigneurs, quand les enfants d'Israël faisaient la guerre, donnaient l'ordre aux enfants d'Israël de tout dévouer par eux interdit. Pourquoi devait-il tout dévouer par interdit? Il dit, vous allez combattre les Amalécites, par exemple. Mais il faut tout dévouer par interdit, c'est-à-dire quoi? Détruisez tout. Prenez leurs bêtes, détruisez. Tout ce que vous voyez comme or, ne les prenez pas. Détruisez-les. Tout dévoué par interdit. Pourquoi? Parce que un adorateur de Satan, quand il adore Satan avec ses biens. Parce qu'il sait, lui qui est adorateur de Satan, il s'est consacré à Satan. On se consacre à une divinité, pas seul, mais avec tout son avoir. Alléluia. Quand on adore quelqu'un, quand on est en communion, on sert une divinité, en fait, on utilise son être, mais on utilise aussi son avoir. Tous les adorateurs de Satan, non seulement qu'ils ont donné leur être à Satan, mais ils ont donné aussi leur avoir à Satan. Voilà pourquoi Dieu disait, il faut tout dévouer par interdit, tout détruire, ne prenez rien, de peur que ce qui est essuyé, ce qui a été consacré à Satan, ne puisse rentrer dans le camp de Dieu. Alléluia. C'est ça ce que Dieu disait aux gens, tout dévouer par interdit. Avec Mammon, les gens n'aiment pas voir les autres progresser. Ils aimeraient être leur dominateur, leur donner des miettes à tout moment pour créer la dépendance, pour que ceux à qui ils donnent des miettes puissent les considérer comme étant les bienfaiteurs, les mopao comme on le dit, les Don Quichotte, apesa talate, Don Quichotte. Les dominateurs des autres. Les disciples de Jésus-Christ ne doivent pas se comporter de cette façon-là. Voulez-vous dire amen? Les disciples de Jésus adorent Jésus, mais ils n'adorent pas Mammon. Malheureusement, dans la Bible, nous avons des mauvais exemples comme Ananias et Saphira, sa femme, qui sont vraiment de mauvais exemples dans la mesure où ceux-ci, dominés par Mammon, ont considéré la richesse comme étant, comme si c'était la finalité de toute chose, une fin en soi, et ont préféré mentir à l'apôtre. Ils pouvaient venir et dire la vérité, voici, il y a des besoins que nous avons à la maison, nous avons enlevé une partie que nous avons gardée pour nous, pour le reste, nous vous amenons ici. Ils pouvaient dire cela. C'est la vérité, il ne serait pas mort. Et Pierre les condamne ou ne les condamne pas, il ne serait pas mort. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dit la vérité. Mais eux ont préféré mentir. Les disciples de Jésus doivent écouter son maître. Les disciples de Jésus doivent écouter son maître qui dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il doit choisir toujours servir Dieu. Voulez-vous dire amen? Vous êtes disciples de Jésus, servez le Christ et n'allez pas auprès de Mammon. Vous savez, si un pauvre est possédé par Mammon, il deviendra dépendant des autres. Il va pleurnicher, il va crier à tout bout de champ, partout, au point de secouer tous les arbres de la forêt pour qu'on puisse lui venir en aide. Il va se soumettre auprès des autres. Mais si un riche est plutôt possédé par les démons, il va devenir, comme je l'ai dit, dominateur des autres. Il va dominer les autres. Il est prêt à verser même le sang pour gagner de l'argent et continuer à gagner l'argent et que les autres deviennent pauvres, mais que lui continue à grandir, à amasser plus de richesses.
lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que les enfants d'Israël, quand ils traversaient le désert, ont connu beaucoup de problèmes du point de vue matériel. Les gens ont pensé à la nourriture. Oh, les concombres qu'on a laissés en Égypte. Oh, les concombres. Voici Moïse nous a menés dans le désert. Et à cause de cela, la Bible dit que tout le monde qui a quitté l'Égypte a fait quoi? A succombé, où c'est? Dans le désert. Il a succombé dans le désert. Pourquoi? À cause des biens matériels. L'œuvre des mamans. L'œuvre des mamans. Tu n'es pas celui-là qui doit succomber dans le désert. Tu dois aller jusqu'à la terre promise. Il faut que toi, tu sois compté parmi les Caleb et les Josué qui, ayant quitté l'Égypte, arrivent jusqu'à la terre promise. Dites bien, amen. Nous avons besoin d'une nouvelle génération. La génération de Caleb et la génération de Josué. Celles-là qui ne tombent pas en cours de route. Celles-là qui tiennent bon dans la foi et qui arrivent jusqu'à la terre promise. Et notre terre promise, c'est le royaume des cieux. Dites bien, amen. Nous devons entrer dans ce royaume des cieux pour y vivre éternellement. Mais il y a un autre exemple qu'on nous donne dans la Bible. Mauvais. D'un homme qui a bien commencé, peut-être qui a semblé bien commencer, mais qui a mal terminé, Judas Iscariote. Sur 29 versets qui parlent de Judas Iscariote dans le Nouveau Testament, aucun verset ne dit quelque chose de bien sur lui. Alors que si vous relisez bien la Bible, vous verrez que quelque part, chaque apôtre à un témoignage favorable de la part du Seigneur. Alléluia. Peut-être, là où on peut retenir quelque chose de bien, c'est que il a été envoyé dans Matthieu 10, comme tous les autres apôtres, pour prêcher l'évangile. Et quand ils ont prêché, à leur retour, ils ont dit, nous avons vu même les diables tomber du ciel. Peut-être là, vous pouvez dire quelque chose de bien. Là, c'est dans l'ensemble. Mais là où on cite les noms de Judas Iscariote, c'est pour dire de mal. Comment tu y es, mon frère? Lorsqu'on cite ton nom, et c'est pour dire le bien ou c'est pour dire le mal? Bon, je sais, nous sommes dans un monde où c'est facile de créer, d'inventer des choses sur les gens. Ça, je sais. Mais la réalité de ce que tu es, lorsqu'on parle du disciple de Jésus, est-ce que tu es comme Matthieu, au sujet duquel on a rendu aussi de bons témoignages? Tu es comme Jean, au sujet duquel on a parlé que du bon? Ou est-ce que tu es comme Judas Iscariote? Où tu es, mon frère, ma soeur? Alléluia. Écoutez, mais regardez bien, écoutez bien maintenant. Il y a quelque chose qu'il faut retenir. Un problème sérieux avec Judas Iscariote. Judas Iscariote n'est mort et n'a été mauvais que à cause de l'œuvre de maman de bout en bout. Point barre. Rien de plus. La Bible dit, lorsqu'on mettait l'argent dans la bourse, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il volait. C'est ça, n'est-ce pas? Il volait l'argent qu'on mettait dans la bourse. Peut-être Moutoua Biki. Il prend une offrande, il vient donner. On met dans la caisse. Il y a des femmes même qui supportaient Jésus. Ils prennent l'argent, ils amenaient, ils mettaient dans la caisse. Et le caissier, c'était qui? Judas. Mais comme Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, il connaissait les finances, il contrôlait la caisse de qui? De Judas. Sinon, on n'aurait pas su qu'il volait l'argent. C'est Matthieu qui le contrôlait. Et Matthieu faisait les rapports. Judas a fait quoi? A volé. Judas a volé. Et c'est comme cela que la Bible nous parle de Judas. Vers la fin de la vie du ministère de Christ, Judas a choisi de trahir Jésus à cause de quoi? De l'argent.
l'œuvre de maman. Quand il est allé proposer, ce n'est pas que les gens l'ont cherché, mais c'est lui qui est allé auprès des autres proposer de trahir qui Jésus-Christ. Et il leur dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui dira, qui vous dira où vous pouvez les trouver. Il a dit, on va te donner 30 cycles d'argent. Il a dit, voilà, d'accord. Il n'aurait pas trahi Jésus. C'est à cause de l'argent, l'œuvre de maman, que Jida était mauvais du début jusqu'à la fin. Et quand Jida est mort, si Jida a perdu le salut, lui qui a été à côté du salut en personne, lui qui a été à côté du sauveur, s'il perdra le salut, il a déjà perdu au fait. C'est à cause de l'œuvre de maman en lui. À la fin, la Bible nous dit qu'il est allé se repentir. Il s'est rendu compte que j'ai livré un sang qui est comment, hein? Innocent. Il prend l'argent, il dit, prenez votre argent, j'ai livré le sang innocent. Voilà, un acte de repentance. C'est un acte de repentance, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, repentance. Est-ce qu'il sait qu'il avait fait, c'était mauvais? C'était normal, c'était bon. Les gens ont dit, alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme Boboï, la boîte qui est en temple. Il a jeté dans le temple, il s'est débarrassé. C'est une bonne chose. Mais est-ce que Dieu l'avait exaucé? Répondez-moi. Dieu l'avait-il exaucé? Zéro, tu sais où? Zéro. Dieu n'a pas exaucé Judas. Pourquoi? Parce que sa confession n'était pas sincère. Son repentir n'était pas réel. Il a été reproché pendant tous les 3 ans à côté de Jésus-Christ d'avoir été voleur. Il n'a pas confessé son péché du vol. Ah! Alléluia! Il vient seulement confesser les péchés de la trahison. Mais en fait, les démons sont en toi. Les péchés sont encore en toi. Tu n'as pas confessé ces péchés-là. Les saluts, on ne les reçoit pas parce qu'on a confessé un péché. Les saluts, on reçoit lorsqu'on se débarrasse de quoi, hein? De tous les péchés. Alléluia. Alléluia. On reçoit les saluts quand la repentance est réelle. Elle est sincère. Une confession qui n'est pas sincère ne vous conduit pas au salut. Une confession qui n'est pas réelle et complète ne vous permet pas d'être pardonné. Voici un temps à prendre à profit. N'attendez pas demain. Alléluia. Dites bien amen. Et c'est ça le problème de Judas Iscariote. C'est pour cela qu'il est mort. Nous allons lire des passages pour finir. Actes, chapitre 20. Chapitre 8, excusez-moi. Verset 20 dit ceci. Mais Pierre lui répondit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer les dons de Dieu avec de l'argent. Voilà un passage qui nous montre que le mammon est à mesure d'utiliser les gens du monde ou des gens mal affermis, inconvertis, pour venir même tenter les œuvres, les serviteurs de Dieu avec de l'argent. Quelqu'un qui voit Pierre opérer des miracles, il vit avec l'argent. Il dit, prends de l'argent et donne-moi les dons que tu as pour que moi aussi, je puisse faire comme toi. Basomba kayango na bongo te. Ezala kande ya boule. Yangolou na nzambe. Alléluia. Mais lui a cru qu'on pouvait acheter cela à prix d'argent. L'œuvre des mammons. J'aime lire dans... Ça on ne lira pas dans Matthieu 6, 19 à 20, qui parle des trésors. Un trésor sur terre et un trésor dans le ciel.
Le trésor dans sur terre, c'est devenir riche sans Dieu ou avoir la richesse que Dieu ne contrôle pas, que Dieu ne connaît pas et dans laquelle Dieu ne se retrouve pas. Alors que la richesse du ciel, le trésor au ciel, c'est vivre pour Dieu, c'est savoir se sacrifier pour lui, c'est savoir soutenir son œuvre, c'est savoir venir en aide aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, c'est savoir bien gérer ce que Dieu nous donne avec intégrité et dans la vérité. Alléluia. Les combats contre maman, nous devons les mener. Les jeunes hommes riches dont parle la Bible a eu de la richesse, mais il a considéré la richesse comme étant plus importante que toute autre chose. Voilà qui a fait que Jésus-Christ lui a dit, pour que tu rentres dans le royaume des cieux, va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, puis après viens et suis-moi. Alléluia. Une voie pour combattre l'œuvre de maman. Dans d'autres cas, Jésus-Christ dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si nous pouvons donc apprendre à haïr le monde, ça va aussi nous aider à combattre les œuvres de maman. Mais est-ce que moi je dis que la richesse est une mauvaise chose? Est-ce que c'est ce que je dis? Est-ce que je vous ai dit que vous ne devez pas devenir riche? C'est ce que je dis? Non. Mais je dis, devenez riche selon Dieu. Devenez riche pour la gloire de qui? De Dieu. Que votre argent puisse honorer qui? Les seigneurs. Dites encore Amen. Par ailleurs, Jésus-Christ a chassé les démons. Les démons de la richesse et toute autre sorte de démons. Même ceux-là qui dans la maison sont allés faire des affaires, il a dit ce n'est pas l'endroit approprié. Il y a des moments où on doit consacrer le temps pour les seigneurs, pour adorer Dieu et non pas pour les affaires. Il y a un temps pour les affaires et les endroits pour les affaires. Mais des moments où on doit se consacrer à Dieu et à Dieu seul. Lisons pour finir 1 Timothée chapitre 6, verset. J'aimerais que tout le monde lise. 1 Timothée chapitre 6. Verset 9 à 10, puis le verset 17 également. Ça, c'est l'exhortation que Paul nous donne. Je dis 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10. Ça dit ceci. Ceux qui veulent à tout prix, c'est bien dit, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans les pièges de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les gens dans la ruine et dans la préperdition. Ça, c'est le verset 9. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est comment, hein? La racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Verset 17. Le verset 17 dit, recommande à ceux qui possèdent des richesses dans ce monde de se garder de toute arrogance. Vous qui avez les richesses, vous qui aurez la richesse, ne devenez pas arrogant. Voilà ce qu'on me demande de dire maintenant. Ne devenez pas arrogant. Ne devenez pas dominateur des autres. Mais apprenez à utiliser votre argent au service de tout le monde et servez Dieu avec votre argent. Ne soyez pas arrogant et ne vous fondez pas. Ne fondez pas votre espoir sur votre richesse, car elle est instable. Mais placez plutôt votre espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous puissions en jouir. Alléluia. Dites bien Amen. Chers frères, de tous les exemples que nous avons donnés, celui de Judas Iscariote est le plus frappant. Un homme qui a entendu tous les enseignements donnés par Jésus,
sur le salut. Un homme qui a vu Jésus-Christ guérir les malades, pardonner les péchés, mais il n'a pas bénéficié des enseignements reçus au pied de Jésus. Et il a perdu le salut. Ma prière est que tu ne ressembles pas à cet homme-là, mais que tu sois pareil à un homme comme Pierre, qui quand bien même est tombé, mais il a dit se relever le plus tôt possible pour marcher dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous devant le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je vais être ton disciple et je choisis de te servir et de t'adorer. Si tu me donnes l'argent, je vais m'en servir pour ta seule gloire. Disons d'abord cela au Seigneur. Je choisis de te servir. Je t'ai choisi comme mon seul maître, le seul maître de ma vie. Prions tous le Seigneur. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de t'avoir comme seul maître et de te servir, de t'adorer comme le seul qui a la place qu'il faut dans notre vie. Oui Jésus, c'est toi que nous voulons choisir, c'est toi que nous voulons servir. Dis au Seigneur, je hais les plaisirs des mamans. Je vais apprendre à haïr les œuvres de maman dès aujourd'hui. Je ne vais pas être son disciple. Aide-moi à me débarrasser de tout péché, à confesser tout péché et à vivre en communion avec toi, à vivre pleinement le repentir pour ne pas ressembler à Judas Iscariote. Commence à prier. Demande l'aide au Seigneur de pouvoir tenir bon dans ta marche tous les jours pour l'honorer dans tes voies. Yahweh, 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 Yahweh,